Two in love can make it. Take my heart and please don't break it, love. Et là, dans une soirée normale, les gens ils tapent dans les mains. Ah oui. On est aujourd'hui une centaine d'exposants tout le week-end, avec un peu tous les métiers représentés, en passant par le traiteur, le photographe, le caviste, la robe de mariée. Ce qui fait un bon salon du mariage, ce sont d'abord de bons exposants. C'est-à-dire qu'il faut que tous les métiers soient représentés. Il faut avoir une offre globale en pensant à nos visiteurs. Donc il faut que tous les métiers soient là. Bah, l'Aiguille du Lac, c'est des robes de mariée sur mesure. Vous choisissez en fait l'ensemble des détails de votre robe, les tissus, les matières, les dentelles. Je pars d'un croquis. Et ensuite jusqu'au bouton final, voilà, je crée entièrement la robe. Sweet Paper, c'est une entreprise donc, de faire-part. On crée des faire-part 100% français. Donc ma responsable crée les visuels, elle est graphiste de formation. Et après, on envoie en impression les faire-part. Et ensuite, on les reçoit, on les assemble, nous, à l'atelier. On s'adapte à la demande des clients. Vraiment, on fait en fonction de leurs envies. Donc au salon du mariage, nous proposons des effervescents. Pour aussi bien pour l'apéritif que pour le dessert. Donc notamment le crémant de Savoie, qui est la dernière appellation au niveau des vins de Savoie. On a deux créments, une cuvée prestige et une cuvée standard. On retrouve au niveau des cépages la jacquère, le cépage Altesse, et on complète avec du chardonnay de Savoie, qui pourrait remplacer un champagne. Premier salon du mariage pour nous, pour notre équipe. On est là pour présenter ce qu'on sait faire. Aussi pour accompagner les mariés, donc mesdames mais aussi messieurs, dans leur beauté, dans leurs préparatifs, les conseiller sur le choix de leur coiffure. Ça commence par prendre soin de ses cheveux. On est coiffeur, maquilleur et on est barbier aussi pour les messieurs. Les messieurs reviennent beaucoup sur la barbe, voilà, ils ont envie de prendre soin d'eux, de se faire beau. Voilà, ils sont assez attentifs, ils sont plus cool que les femmes, donc ils prennent leur temps. Pour les femmes, il y a un retour au naturel. Hein. On a envie de choses très pures, un peu ce bohème chic qui est toujours présent. On trouve également un ensemble de nouveaux métiers depuis que le statut d'auto-entrepreneur a existé. On a des offres diverses et variées avec des chanteurs, des magiciens, beaucoup d'artistes. Également des offres autour du pop-corn, autour de la chaussure sur mesure, autour de la création de bijoux fantasy. Le concept que je veux créer, c'est d'élaborer en fait des nouvelles recettes sur le pop-corn à base de produits faits maison, local et éco-responsable, comme le curry en salé, le parmesan, sel et tomates séchées, ainsi qu'en sucré, confiture de coin maison et caramel beurre salé. Bah, souvent, les jeunes sont quand même beaucoup plus attirés par ça. Et c'est vrai que pour le vin d'honneur ou avant la grosse pièce montée, de manger un petit pop-corn, voilà, c'est pour donner un petit côté pop à vos événements. Le pop-corn a bien sa place à un mariage. Thank you.